Mesdames, Messieurs, donc bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des Figures marquantes qui prend place à l'intérieur de la 7e saison, saison qui est consacrée à des hommes et à des femmes qui ont incarné ou défendu ce grand idéal qui nous est tous très cher, la solidarité. Nul doute que le personnage de ce soir l'a incarné, cet idéal. Jacques Couture, pourtant d'origine plutôt aisée, bourgeoise, né à Québec en 1929 et décédé donc à Saint-Jérôme en 1995. Longtemps, l'Église, l'éthique chrétienne dominante, affichait une forme de résignation et de fatalisme face au monde. Le monde qui était une sorte de vallée de larmes, un monde duquel il ne fallait pas attendre grand-chose puisqu'il avait été miné par le péché originel. Tout ce qu'on pouvait, c'est travailler pour gagner son paradis individuellement, personnellement, à devenir de meilleurs êtres humains, mais le monde était ce qu'il était. Et pourtant, la société se transformait à la fin du 19e siècle, à la faveur de la révolution industrielle, l'urbanisation. Avec ce type d'éthique, l'Église avait du mal à comprendre l'émergence d'une question sociale. Il a fallu attendre les années de la grande crise des années 30, donc, pour voir émerger une nouvelle éthique chrétienne, une nouvelle éthique catholique, qu'on a surnommée, qualifiée de personnaliste, avec des penseurs comme Emmanuel Mounier, inspiré par un Charles Péguy, et toute une génération d'intellectuels qui avait comme devise « voir, juger, agir ». C'était l'action catholique spécialisée. Aller sur le terrain et, inspiré par le Christ, changer le monde, améliorer le monde. Alors, nul doute que Jacques Couture a été pétri par cette nouvelle éthique catholique. Lui qui grandit durant les années 40-50, qui commence des études de droit qu'il ne va pas terminer, qui décide d'aller chez les jésuites. Pourtant, une congrégation qui, en général, forme les élites. Mais il va chez les jésuites et pour lui, la question sociale, donc la solidarité entre les Québécois, mais la solidarité internationale aussi, deviennent des axiomes de vie. Sa première mission est à Taïwan, et lorsqu'il revient au Québec, il s'installe non pas dans Sillery, chic quartier de Québec, ou à Outremont, mais dans Saint-Henri, où il s'implique dans la vie associative, fonde des journaux, structure les milieux populaires. Il devient tellement une figure importante qu'il sera candidat à la mairie de Montréal en 1974, va affronter nul autre que Jean Drapeau et obtiendra un résultat qui n'est pas si mal. En 1976, il devient député de Saint-Henri, sans surprise, et il devient ministre du premier gouvernement Lévesque. Alors, si vous voulez mon avis, vous n'avez pas le choix de toute façon, il serait à installer dans le même niveau des grands ministres dont on parle toujours avec raison, Camille Lorrain, Jacques Parizeau, Bernard Landry et plusieurs autres, Jean Garon. Mais il est de ce niveau-là, mais malheureusement, il est comme tombé dans l'oubli. Pourtant, les réformes qu'il a amenées, comme ministre du Travail et comme surtout ministre de l'Immigration, ont été exceptionnelles et très importantes. Donc, c'est peut-être un peu pour réparer cette injustice que nous avons décidé d'organiser cette soirée qui lui est consacrée. Et pour nous parler de ce personnage, nous avons invité une spécialiste des sciences de la religion qui a consacré sa thèse et un livre aux missionnaires québécois de 1945 à 1980. Vous l'entendez peut-être parfois sur les ondes de Radio-Canada, l'émission Aujourd'hui l'Histoire, où elle intervient assez régulièrement. Me fait vraiment plaisir d'accueillir pour vous la professeure Catherine Foisy. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, plutôt, en effet. Bienvenue. Merci. Bienvenue aux figures marquantes pour notre dernière des figures marquantes. Quel honneur, vous me disiez que vous aviez l'habitude soit des premières, soit des dernières. Absolument. Ben voilà, on avait bien choisi. Très bien. Alors, Catherine Foisy, on vous invite dans un contexte assez particulier parce que on vient de passer, là, c'est enregistré, on enregistre cet entretien en mai 2023. Et il y a quelques jours, quelques semaines, il y a eu une petite controverse sur ce fameux héritage catholique. Le premier ministre Legault
estimait, tweeté que, ben, en effet, peut-être que la solidarité que nous connaissons au Québec, peut-être que nous la devons à cet héritage catholique. Et bon, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Alors, je ne commenterai pas le tollé en lui-même, non. Mais vraiment là, l'affirmation, le fond. Sur le fond, je pense qu'il y a différentes choses à dire. Il y a certainement des racines catholiques à cette solidarité-là, mais comme vous le disiez d'entrée de jeu, dans le préambule, il y a quand même des transformations majeures que va connaître l'éthique catholique de, grosso modo, le dernier tiers du 19e siècle jusqu'aux années 1960. Bon. Et la plus grande transformation, il me semble, c'est de passer d'une compréhension du monde qui concerne uniquement les individus, la recherche du salut, à une compréhension beaucoup plus large, beaucoup plus collective. Et donc, à travers toutes les institutions que les congrégations religieuses, entre autres, vont mettre sur pied, ben là, on a quand même des institutions qui vont avoir un peu un rôle de, une forme de redistribution de, des outils dont on dispose. Et donc, vont pallier l'État. Est-ce qu'on peut parler réellement de solidarité? Est-ce qu'on est dans la charité? On est, disons, d'après moi, en quelque part entre les deux. Mm-hmm. En même temps, l'affirmation du premier ministre me fait un peu sursauter dans la mesure où ce gouvernement-là vient quand même de concéder des baisses d'impôts importantes. Et on sait très bien que, non, mais si on va sur le fond des choses, on sait très bien que c'est un des outils qu'on s'est donné collectivement à travers l'État pour redistribuer la richesse et donc pour être davantage solidaire. Mm. Alors, je ne suis pas sûre que quelqu'un comme Jacques Couture aurait été très content de cette décision-là. En effet. Alors, mais ce qui a surtout surpris dans cette affirmation, dans cette idée, sans prêter à notre premier ministre une connaissance approfondie de la recherche sur ces sujets, mais ce n'est pas grave, il y est allé spontanément, mais c'est parce que dans notre mémoire collective, on oppose un ancien régime catholique et, disons, libéral économique au nouveau régime moderne social-démocrate de l'État-providence. On oppose finalement un monde séculier, moderne social-démocrate à un ancien monde obscurantiste catholique, Alors qu'il y a de la recherche, et je sais qu'on pourrait en parler pendant toute l'heure, là, mais de façon synthétique, il y a des recherches qui parlent des origines catholiques de la Révolution tranquille. La formule va peut-être étonner un certain nombre de gens, mais peut-être nous dire un mot pour juste nous faire comprendre ça. Comment cette Révolution tranquille peut avoir, selon certains, on ne les citera pas, Michael Gauvreau, Jean-Philippe Poiré, Martin Meunier, peut avoir des origines catholiques? La Révolution tranquille a des origines catholiques au sens suivant. Vous en avez parlé aussi dans le préambule, c'est-à-dire qu'il y a, d'une part, l'éthique personnaliste, donc cette volonté de chercher des outils collectifs pour permettre à l'individu de se déployer pleinement. Mm-hmm. Bon, grosso modo, c'est ça. D'une part, et d'autre part, il y a également eu les mouvements d'action catholique spécialisés, qui étaient la réponse de l'Église catholique comme institution supranationale, internationale, dans le fond, aux besoins que différents secteurs de la population, les travailleurs, les étudiants, avaient de pouvoir transformer le monde à partir là, d'une lecture de la Bible, à partir des évangiles. Donc, on regarde, on constate, on juge et on agit. Et comment agit-on? Et on agit ensemble. Mm-hmm. Donc, il y a réellement, durant cette période-là, durant la période des années 30, 40, 50, donc en amont de la Révolution tranquille, il va y avoir toutes sortes d'outils qui vont être mis en place par ces mouvements-là, par ces groupes-là d'action catholique spécialisée pour comprendre la question sociale ou les questions sociales. On agit ensemble et s'il faut, on peut recourir à l'État. Absolument, aussi. Absolument. Alors, parlons maintenant de Jacques Couture. Arrivons à notre personnage qu'on a souvent présenté comme un prêtre ouvrier. On reviendra sur ce courant au sein de l'Église. Il était d'origine bourgeoise. C'est ce que j'ai découvert en lisant votre recherche. Ça m'a frappé. Alors, peut-être nous parler de ses parents et de son milieu d'origine.
Alors, il naît le 23 novembre 1929, donc après, juste après le crash boursier. Son père est Joseph Hubal de Couture et sa mère s'appelle Irène Marcoux. Sur sa mère, bon, j'en sais pas beaucoup. Par contre, son père a travaillé comme haut fonctionnaire pour Taschereau, pour Le Sage, également pour Godbout, et va aussi être en charge du protocole du Québec. Bon, donc, entre autres, quand Roosevelt et Churchill vont venir en 43, en 44, aux rencontres de Québec. Et donc, il est le cinquième d'une famille de 7 enfants. Il a une éducation catholique. Il va fréquenter le collège Saint-Charles-Garnier tenu par les Jésuites. Et donc, il va faire sa formation classique là, de 43 à 51. Et donc, il baigne dans cet environnement catholique, bourgeois. Et à un moment donné, il a un choc parce qu'il est engagé bon, dans différents groupes, dans le scoutisme, dans la Ligue missionnaire étudiante, dans les congrégations mariales. Donc, on a là une personnalité aussi très spirituelle qui n'est pas tournée vers les sports, mais qui s'intéresse à ce qui se passe dans le monde. Et donc, à ses 18 ans, il se retrouve le soir du réveillon à aller porter des provisions de Noël à des familles pauvres de Saint-Roch, donc dans la basse ville de Québec. Et là, ça va être un élément déclencheur. Mais comme il le dira plus tard, c'était à ce moment-là du tourisme social. Ouais. Bon. Donc, et ça, ça fait image parce que même encore aujourd'hui, pour beaucoup donc de jeunes. On quitte la haute ville et on descend dans oui, la basse ville. Oui, littéralement, c'est vraiment pour aller, ça. Aider. Oui, et donc, ensuite on rentre, effectivement, on se donne bonne conscience. Mais chez Jacques Couture, ce moment-là a eu un effet, je dirais, beaucoup plus durable. Oui, mais justement, si ce choc-là a lieu assez jeune, comment expliquer qu'il choisit les Jésuites? Parce qu'on sait qu'il y avait d'autres congrégations. Je pense à Jacques Couture et je pense à tout cet élan de solidarité internationale. J'aurais pas été étonné qu'ils choisissent les Pères Blancs. J'aurais pas été étonné qu'ils choisissent les Dominicains. Pourquoi les Jésuites? Alors, qui ont cette tradition de former les élites, hein, on se comprend. Oui, tout à fait. Ceci étant dit, qui accueillait aussi des jeunes hommes qui n'étaient pas issus de l'élite, ni bourgeoise, ni d'un autre niveau. Mais je pense que la raison principale tient probablement au fait qu'il les connaissait. Bon, donc il a étudié chez les Jésuites. Et je crois qu'il a été beaucoup interpellé par deux choses dans la spiritualité jésuite, c'est-à-dire la contemplation dans l'action, et également le fait de chercher Dieu en toutes choses. Donc, dans tout ce qu'on fait. Et les Jésuites, contrairement, par exemple, aux Dominicains, parce que vous les nommez, étaient, au Québec, oui, enseignaient dans les universités, mais n'avaient pas d'abord ce mandat-là de prêcher. Hein? Ce n'est pas l'ordre des prêcheurs, c'est la compagnie de Jésus. Et donc, ils ont réellement, dans l'histoire, ça leur colle à la peau, ils ont été, au moment de la réforme catholique, ils ont été l'armée de choc du pape. Bon. Ah oui. Donc, ce sont des hommes qui sont formés, qui sont préparés pour agir dans le monde et transformer ce monde-là, effectivement en travaillant auprès des élites particulièrement, mais pas uniquement. Non, c'est vrai. Donc, il y avait toute la possibilité aussi d'aller à l'étranger, donc d'être missionnaire, alors que quand on entrait, par exemple, chez les Pères Blancs, bien là, évidemment, c'était la mission en Afrique principalement parce qu'il n'y avait pas de maison puis d'activité réellement ici. Donc, je pense que ça a certainement joué. Peut-être l'attrait, justement, d'aller à l'étranger, d'aller... Ça aurait pu être le cas avec les Pères Blancs, mais enfin, les Jésuites, c'est une multinationale. Oui, absolument, absolument. Et justement, parlons de sa première mission. Donc, sa première mission, c'est à Taïwan, qu'on appelait à ce moment-là Formose. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette première... là, il est tout jeune, là. Il y a 20 ans, 21 ans. Ah non, il est quand même plus vieux que ça parce qu'il part en 59. Il est né en 29, ah, oui, c'est vrai, c'est parce qu'il rentre chez les Jésuites beaucoup plus tard, en 54, après les études de droit auxquelles il met un terme. Ouais. Mais donc, à Formose, à Taïwan, ce qu'il va faire essentiellement, c'est apprendre le mandarin. Et il y a quelques communications qu'il envoie dans le brigand, qui est la
revue là, des Jésuites, la revue missionnaire. Et donc, il raconte ce qu'il voit, bon, les gens. Ça va lui permettre de se frotter à une culture différente, de développer un attrait pour l'Asie en particulier, de s'intéresser aux questions de développement, de commencer à s'y intéresser, d'être baigné dans... Ça a l'air de rien, là, mais d'être baigné dans... Parce qu'aujourd'hui, on voyage beaucoup, on prend l'avion, on se déplace, bon, on apprend des langues, mais de se déplacer dans une autre culture, de vivre là, de demeurer, même si c'est dans une maison jésuite, il a quand même eu accès à certaines œuvres jésuites, donc il va voir des choses sur le terrain, ça va le marquer durablement. Mm-hmm. Je reviens sur le choix de toute la question sociale, parce que là, on arrive justement au fait qu'il va s'investir beaucoup quand il va arriver au Québec. Est-ce qu'il n'y a pas un peu aussi chez Jacques Couture, parce que c'est évoqué dans votre recherche, c'est pour ça que je vous en parle, un peu de la mauvaise conscience bourgeoise, justement. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça dans son engagement social qui va commencer? Certainement qu'au départ, il y a certainement de ça. Là. Aller au-delà du tourisme et de la charité. Oui, oui, absolument. Absolument, c'est sa volonté très rapidement. La formation chez les Jésuites, elle est très longue. Hein? Donc, il y a l'équivalent de ce qu'on appelle un bac canonique. Il y a 4 ans de formation, philosophie, théologie, et il y a plus tard un troisième en jésuite, on pourra en parler. Je dis tout ça parce que durant toutes ces années-là, Jacques Couture va former son esprit, mais il conserve toujours cet objectif-là. De retourner ou de revivre, de ressentir ce qu'il a ressenti quand il est allé dans Saint-Roch à ses 18 ans. Et ça, il va le ressentir de nouveau en 1964 quand il s'installe après son ordination dans le quartier de Saint-Henri. Mais justement, comment il en vient à s'installer là et pourquoi pas à Saint-Roch puisqu'il est de Québec? Pourquoi Saint-Henri? Qu'est-ce qui l'amène là? Bon, bien, toute la formation, le noviciat est au Sceau-Récollet. Ensuite, le Collège de l'Immaculée Conception. Donc, il est à Montréal et il ne demande pas d'aller à Québec parce qu'à l'époque, on est donc dans les années 60, 63, il y a quand même ici à Montréal toute une prise en charge ou une volonté de développer d'autres modalités d'action sociale. Ça va beaucoup se structurer autour de ce qu'on a appelé l'animation sociale. Donc, le fait d'avoir des hommes particulièrement qui vont être formés au travail social et qui vont aller travailler avec les gens, essayer d'organiser les gens dans des comités pour faire valoir leurs droits au niveau du logement, au niveau des loisirs, au niveau des écoles, dans certains quartiers. Et le quartier de Saint-Henri est un des quartiers qui est privilégié parce qu'il y a à la fois une homogénéité sur le plan, socio-culturel. Il y a un sentiment d'appartenance très fort, catholique, canadien, français, ouvrier. Et en même temps, c'est un quartier qui a été très fortement marqué par la dévitalisation, la désindustrialisation. Et donc, c'est un lieu extraordinaire pour tester des nouvelles modalités d'action sociale. Bon. Le Conseil des œuvres sociales de Montréal est là. Ça, c'est dirigé par l'archevêché de Montréal. Il y a aussi le Conseil du développement social de Montréal. Et donc, à partir de 64, c'est comme s'il y avait un point névralgique qui se construit autour de Saint-Henri ou avec Saint-Henri. Et donc, Jacques Couture, en 63, au début de l'année, entre en contact avec un groupe qui s'appelle Les Copains de Saint-Henri et qui publie un journal, Le Copain. Et dans Le Copain, ces jeunes-là, qui habitent le quartier, dénoncent l'hypocrisie du système économique, du système religieux, spirituel, de l'Église, pour ces jeunes-là, l'Église, c'est une institution bourgeoise. Ils s'intéressent et là, durant ces journées de congé, ils veulent les visiter. Et il prend contact avec ces jeunes-là et là, il voit les réalités. Et donc, ces jeunes-là lui disent, viens t'installer chez nous, viens vivre avec nous. Donc, il fait un premier essai en 63. Et puis ensuite, en 64, après l'ordination, là, il demande réellement de s'intéresser
s'installer à demeure, ce qui est accepté par le supérieur à l'époque. Et donc, il va là, commencer réellement une action sociale, mais qui est vraiment une action de, je dirais, de mobilisation oui. sociale. Ben justement, attardons-nous un peu là-dessus. 1964, c'est aussi la fin de Vatican II. Oui, et on a presque. Ce courant, oui. à peu près, hein, 64... 65. 65. Donc, milieu des années 60, oui. on, pour faire court, donc ça se termine. Absolument. C'est une grande réflexion universelle de l'Église sur... Et donc, on a Vatican II qui se termine et on a ce courant des prêtres ouvriers. Je ne sais pas si vous considérez que Jacques Couture se colle à ce type, mais peut-être nous expliquer l'esprit de tout ça. Peut-être un mot sur justement jusqu'à quel point Vatican II transforme cette éthique catholique et à quel point tout ce mouvement des prêtres ouvriers qui sont très, très engagés dans l'action communautaire, dans l'action populaire, correspondent à une vision nouvelle. Bon, je vais y aller de manière chronologique. Oui, oui, allez-y. Je vais prendre d'abord la question des prêtres ouvriers parce oui. qu'elle est fascinante. Oui. C'est-à-dire qu'un peu comme on a vu pour le Québec, il y a des origines catholiques à la Révolution tranquille, bien, il y a des origines, il y a des mouvements de renouveau qui appellent la transformation de l'Église catholique qui va advenir avec le Concile de Vatican II. Le mouvement des prêtres ouvriers en fait partie. C'est un mouvement qui est né en France en 1943. Le cardinal Suard, à l'époque, est archevêque de Paris, décide de créer ce qu'on appelle la Mission ouvrière de Paris. Et donc, à partir de là, recrute des prêtres qui souvent ont été engagés dans la résistance française, donc durant la Deuxième Guerre mondiale, et qui ont connu, dans le maquis, des communistes, et qui se sont rendus compte que finalement, ben, c'était des gens comme eux. Et des gens qui, finalement, portaient les mêmes valeurs, les mêmes aspirations d'humanité, d'humanisme. Bon. Et se sont dit, ben, ces gens-là, on les a complètement délaissés dans les faubourgs, dans les grandes villes, on ne s'en occupe pas, l'Église n'est pas présente aux ouvriers, allons travailler en usine, allons vivre avec ces gens-là dans les mêmes conditions qu'eux, sortons de nos sacristies, sortons de nos églises, et voilà. Alors, cette expérience-là va durer 10 ans. En 1954, il y a une décision du pape de Pie XII à l'époque qui dit ben, finalement, les prêtres ouvriers, soit vous quittez le ministère carrément, soit vous restez, mais vous n'êtes plus prêtre ouvrier. Parce que la conception du prêtre à l'époque, c'est l'homme du sacrement, c'est l'homme de l'Eucharistie, point barre. Alors, c'est une gifle pour ces hommes-là. Et la période là, où les prêtres ouvriers vont être interdits dure environ 10 ans. Ils vont être réhabilités avec le Concile Vatican II. Bon. Donc, c'est un peu le lien entre mm-hmm. les deux. Le Concile Vatican II, ce qu'il fait, moi, c'est toujours ce que je dis, ce que j'explique à mes étudiants, c'est que finalement, on passe d'une Église qui s'envisage en surplomb du monde et qui dit au monde comment le monde devrait être, mm-hmm. ce que les gens devraient croire et comment ils devraient le faire. Alors que avec le Concile de Vatican II, là, c'est une Église qui se met au niveau des réalités du monde. Elle prend acte du fait qu'elle est une donnée historique elle-même. Et qu'en ce sens, elle a à être dans des rapports beaucoup plus horizontaux avec le monde. Sinon, tout son message ne sera plus audible. Parce que là, il y a un décalage extraordinaire là, au moment où le Concile est lancé. Là, et il y a des décalages qui vont perdurer. Bon, mais là, ce n'est pas l'objet de en effet. La conversation. Il faudrait faire un autre entretien sur le Absolument. Cas, par exemple, de Paul-Émile Léger, qui a vécu de l'intérieur cette transformation et qui est parti en Afrique, alors que, enfin, il était perçu comme un homme très conservateur. C'est assez fascinant, hein, cette mutation-là. Alors, Jacques Couture va sur le terrain. Oui. Et ce qui est intéressant dans ce que vous disiez tout à l'heure, vous compariez ça aux anciens communistes de la résistance française, bien, un peu comme, dans le fond, ces ML qui vont travailler sur le terrain en usine. Mm-hmm. Bien, de la même façon, on a ces prêtres, comme Jacques Couture, qui vont, de la même façon, aller auprès des ouvriers. Alors, donnez-nous des exemples de ce genre d'engagement que va prendre
Jacques Couture. C'est très concret. Hein? Oui, absolument. Il y a, je dirais, deux périodes. Il y a une période qui va de 64 à 68, où là, c'est vraiment un travail d'ouvrier en usine, notamment dans le domaine de la métallurgie. Il y a aussi été livreur pour Steinberg. Un jésuite, donc, livreur pour Steinberg. Oui, oui, absolument. Donc, et avec aucun fonds, quand il s'installe dans Saint-Henri en 64, son supérieur lui dit, ce sera sans aucun fonds de notre part. Donc, il doit absolument subvenir à tous ses besoins. Donc, ça, c'est assez, pour l'époque, c'est au Québec, c'est révolutionnaire. Maintenant, il y a quand même dans le sud-ouest, il y a quand même d'autres prêtres là, de d'autres congrégations, entre autres les Fils de la Charité, qui vont s'installer, notamment dans Pointe-Saint-Charles, et qui vont avoir le même type d'engagement. Puis ça, c'est un des angles morts, qui ne concerne pas directement Jacques Couture, mais je dirais l'historiographie en général. On n'a aucune donnée sur les prêtres ouvriers au Québec. Alors, je ne peux pas vous dire, il y en a eu 20, il y en a eu 50, absolument. Une belle recherche. Tout à fait. Parfait. Maintenant qu'on a dit ça, donc Jacques Couture va être engagé, à travailler là, comme manœuvre, là, faire des pièces de métal, découper du métal, faire des tâches de ce type-là. Évidemment, il y a un engagement et c'est un prêtre. Bon. Donc, il y a aussi à travailler dans une paroisse. Mais il met en place avec le diocèse de Montréal une pastorale ouvrière dans Saint-Henri avec d'autres prêtres également qui sont insérés en usine et donc qui vivent avec les gens et qui partagent exactement les conditions de vie des gens. En même temps, Jacques Couture s'en est jamais caché. Autant là que quand il était à Madagascar, il écoutait en rentrant à la maison du Bach et du Mozart. Bon, ce qui n'était certainement pas le cas. Mais ça, c'est une chose très intéressante. Il va se rendre compte que cet élément-là de la culture est fondamental pour toutes les populations. Tout le monde devrait avoir un accès minimal à la culture. Oui, absolument. Ouais. Donc, vous dites ça, c'est la première période. Oui, donc, ça, c'est la première période. Et la deuxième, c'est grosso modo 69, 70, disons, à 74, où là, il revient de son troisième an jésuite à Paris. Il a été posté dans la mission ouvrière de Paris. Il a beaucoup discuté avec les confrères. Et là-bas, il est beaucoup dans des discussions sur la libération, le rôle du prêtre, le travail social, les récriminations qu'on peut avoir par rapport à l'Église elle-même, le fait que ce soit une institution bourgeoise, qu'il faille la transformer de l'intérieur, qu'il faille aussi faire jusqu'à un certain point, une révolution sociale. Oui, on est à l'époque où le marxisme a beaucoup d'écho de sa jeunesse. Ah oui, tout à fait. Donc là, on voit vraiment un processus, puis là, moi, ça fait partie des choses que j'étudie de très près présentement, mais on voit un processus de radicalisation de ces chrétiens sociaux-là. Et Jacques Couture ne fait pas exception à la règle, parce que durant ces années-là, il va aussi citer à un moment donné Don Hélder Camara, qui est l'archevêque de Linda et de Récifé, qui au concile tenait salon en marge des séances plénières du concile et qui recevait les gens pour discuter de l'Église des pauvres et qui est une des figures de proue de la théologie de la libération en Amérique latine. Donc, c'est quand même, c'est dire là, à la fois la proximité avec ces courants-là, qui sont clairement des courants qui se réclament à la fois du christianisme, mais aussi d'une lecture marxisante du monde. Là. Et là, il va y avoir des frictions. Ah oui, absolument. Alors, il va y avoir des frictions entre des gens comme lui, d'ailleurs, lui, ouvertement, puisqu'il collabore à des journaux, écrit. Oui, tout à fait. Il mobilise, il écrit. Et donc, il va y avoir des frictions et des arguments échangés de part et d'autre entre lui et la hiérarchie. Racontez-nous le genre d'argument. Il y a un argument assez, assez intéressant qu'il va évoquer. Alors. Oui, c'est que, il y a une situation bien particulière. En 73, à la fin de 73, il crée le groupe de recherche et d'intervention sur la politique. Bon. Le GRIP. Et là, dans ce groupe-là, c'est des citoyens de Saint-Henri qui, là, se mobilisent et veulent amener sur l'agenda politique des enjeux qui les concernent directement. Et là, une des questions qui est soulevée, c'est la question du salaire minimum, de son augmentation. Et là, il y a une pétition qui est lancée en 1974. Et cette pétition-là, Jacques Couture la prend et l'amène
la soumet à l'épiscopat québécois. Et un épiscopat qui dans le fond, à l'époque, n'est pas nécessairement frileux par rapport aux questions sociales, pas du tout. Même sur des questions comme l'accès des femmes au sacerdoce, au ministère ordonné, l'épiscopat québécois, dans les années 70-80, était à l'avant-garde, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, je reviens donc à Jacques Couture. Il va y avoir toute cette question-là de faire en sorte que l'épiscopat signe cette pétition-là. Et là, les évêques hésitent et Jacques Couture va les prendre à partie en leur disant si vous mettiez autant d'énergie à défendre les droits des travailleurs qu'à défendre les droits des fœtus avortés ou enfin pas encore nés, et puis à vous positionner contre l'avortement, bien là, ce serait merveilleux. Donc là, il y a réellement un bras de fer et ça va passer par un texte, entre autres, publié dans Le Devoir, dont on peut retrouver la trace là, aisément. Et dans ce texte-là, c'est « Travailleurs ou fœtus ». Fœtus ou travailleur, là. Donc, c'est quand même... C'est très direct. Oui, absolument. Donc, là... Est-ce qu'il y a eu des réprimandes? Est-ce qu'il y a été... À ma connaissance, non. Puis, je pense que ça tient au fait qu'il y avait quand même une... Chez les jésuites, une grande liberté. Il y avait quand même... Les jésuites sont derrière la revue Relation, le Centre Justice et Foi qui va naître plus tard, mais quand même, Relation avait pris un virage dès le début des années 70, un virage très marxisant, très gauchiste. Et donc, je pense que ce sont des choses qui se discutaient aussi à l'interne. Alors là, nous arrivons à l'année justement 1974. Son action sociale est de plus en plus connue, reconnue. Il devient peut-être même une personnalité publique avec ses interventions. En tout cas, il est repéré. Et là, il y a cette élection municipale en 1974. Il y a un nouveau parti, puisqu'il y avait eu en 70 le FRAP, Fonds d'action politique, qui a été confronté à la crise d'octobre. C'était compliqué de se démarquer dans un contexte comme ça. Mais il y a eu un nouveau parti, le Rassemblement des citoyens de Montréal, le RCM, qui va prendre le pouvoir plus tard. Et là, il va être le candidat du RCM. Alors, quel est son programme à Jacques Couture comme candidat à la mairie de Montréal, affrontant nul autre que Jean Drapeau? Alors, la raison pour laquelle il a accepté, il n'y en a qu'une seule. C'est parce que les gens avec qui il travaillait sur le terrain, les gens qui servaient, les citoyens, les citoyennes lui demandaient de se présenter aux élections sous la bannière du RCM pour porter leur voix. Et donc, son programme, c'est réellement de rapprocher l'administration de Montréal des citoyens, de faire en sorte qu'il va parler, entre autres, des petites patries. Au pluriel, à la fois des petites patries territoriales, donc vraiment des quartiers de Montréal, mais aussi des petites patries, disons, sociologiques, des groupes ethnoculturels qui devraient être davantage représentés. Et donc, il va faire une tournée à travers tous les quartiers de Montréal et il a vraiment une vision, c'est la vision du RCM, de décentralisation, donc de créer des comités de citoyens de quartier qui permettraient finalement à des élus, d'être tout proche des citoyens et de prendre des décisions qui soient beaucoup plus ajustées aux enjeux locaux. Bon, ceci étant dit, il y aurait toujours une ville-centre qui verrait à la gestion générale, à la planification urbaine, etc. Mais pour les enjeux, disons, qui concerneraient plus directement les citoyens, les citoyennes, il y avait cette volonté-là, cette vision-là. Et donc, il va beaucoup interpeller le maire Drapeau sur ça, sur l'idée de la ville pour les citoyens plutôt que la ville pour disons la représentation internationale de Montréal. Bon, ben, le maire Drapeau, c'est quand même les grands projets là, qui ont mis Montréal sur la map, soit, mais il reste qu'il y avait quand même beaucoup d'enjeux sur le plan, entre autres, du logement, sur le plan des loisirs, sur le plan de l'aménagement urbain, les boulevards, donc les gens qu'on va délocaliser, et c'était une époque comme celle-là, hein, l'ancienne tour de Radio-Canada, il faut se souvenir, là, ça a été quand même de raser un quartier au complet. Alors donc, il obtient des résultats somme toute honorables, non? Absolument, 40 % des voix,
comme candidat à la mairie. Et également, il fait quand même élire 18 conseillers municipaux. Ah oui. Donc, c'est... C'est une vraie percée. Oui. Tout à fait. Alors, peut-être que l'appétit venant en mangeant, il a la piqûre de la politique, puisque 2 ans plus tard, il est élu sous la bannière du Parti québécois, député de Saint-Henri. Quelle surprise! Donc, ça veut dire que les gens le reconnaissaient comme un des leurs. Qu'est-ce qu'on sait de l'arrimage entre l'idéal souverainiste du Parti québécois et sa propre pensée sociale? Comment les deux en sont venus à s'arrimer rapidement? Rapidement, ben, je dirais que la question nationaliste, ou la question souverainiste, ça fait plusieurs années qu'il s'y intéresse. Dès la fondation là, du Parti québécois là, au début des années, en 70, c'est ça. Hein? Mm-hmm. Il y a toujours cette préoccupation-là qui est présente. Et de tous les partis, parce qu'il commente l'actualité politique là, dans différents journaux locaux, parmi tous les partis politiques, il est certain pour lui que le Parti québécois est celui qui est le plus à même d'apporter les politiques les plus progressistes sur le plan social. Mm-hmm. Et donc, quand il est approché par l'équipe de René Lévesque, ben, il va finalement accepter de faire le saut en politique. C'est beaucoup cette dimension du programme péquiste qui l'intéresse. Peut-être. Absolument. Et il est un fervent souverainiste. Oui, oui, oui. Et donc, c'est certain que la défaite du 20 mai 1980 explique en partie sa décision de passer à autre chose. D'ailleurs, on y reviendra tout de suite. Donc, moi, j'ai toujours pensé Jacques Couture égale ministre de l'Immigration, ce qu'il a été, on y revient tout de suite. Oui. Mais il a été aussi ministre du Travail. Franchement, ça m'avait échappé. Moi, je ne sais pas pourquoi, je pensais que c'était Pierre Marois qui était le ministre du Travail à ce moment-là, mais c'est Jacques Couture. Et il amène une importante mesure comme ministre du Travail qu'on cite constamment dans les réalisations, mais on ignore, selon moi, que c'est Jacques Couture. Parlez-nous de cette mesure phare qu'il a fait adopter. Comme ministre du Travail, il va faire passer la première loi anti-briseur de grève au Canada, ce qui est quand même pas rien. Oui, c'est pas rien. C'est majeur. Et il va également procéder à 2 hausses successives, pas à 1 an d'intervalle, là, mais à quelques mois, je pense 3 mois ou 4 mois d'intervalle, hausses successives du salaire minimum. Alors, là, il va se mettre le patronat à dos, c'est évident. Et donc, René Lévesque se retrouve dans une position qui est plutôt inconfortable. Et donc, c'est Pierre-Marc Johnson qui va prendre le relais. Sur la question là, de cette loi anti-briseur de grève, c'est crucial parce que finalement, c'est une manière de reconnaître pleinement l'ensemble des prérogatives du droit du travail et des droits des travailleurs. Mm-hmm. Donc, ça, c'est déterminant. Oui, cette loi est constamment citée. Absolument. Je pense qu'on ignore, on ignore que le responsable de cette loi, c'est Jacques Couture. Il est ministre de l'Immigration aussi. Et là, vraiment, il va faire sa marque. On a l'impression que toute sa vie le prédestinait à être ministre de l'Immigration avec son action sociale, son action internationale, sa sensibilité. Son nom est associé à une entente dont on parle encore, mais on ignore de quelle couture il s'agit. C'est la fameuse entente Colin Couture. Peut-être nous la présenter. Alors, cette entente-là entre en vigueur au début de l'année 1978. Avec son vis-à-vis fédéral, donc qui traite des questions d'immigration, il va, d'ailleurs, il s'inscrit dans la volonté de l'État québécois à l'époque, là, sous le gouvernement de René Lévesque, d'aller chercher davantage de pouvoir auprès d'Ottawa. Bon, donc une forme de fédéralisme asymétrique. Et donc, il va signer cette entente-là qui permet pour la première fois au Québec de déterminer les critères à partir desquels il va accepter ou non les demandes de nouveaux arrivants sur son territoire. Donc, ça veut dire que le Québec va désormais être en mesure de déterminer en fonction de sa programmation, de son développement sur le plan économique, sur le plan socioculturel et sur le plan, aussi administratif, parce qu'il y a des enjeux administratifs. Et donc, sur le plan socioculturel, je prends que cette dimension-là, c'est extrêmement important. Parce qu'il y a la question du français.
C'est fondamental. On le voit là, encore aujourd'hui, cette question-là est loin d'être tarie. Ça demeure un enjeu crucial. Et donc, et ça, Jacques Couture était très, très au fait de ça et très préoccupé de cette dimension-là. Les COFI, donc les centres d'orientation, de francisation des immigrants, permettaient finalement aux immigrants d'acquérir une base, à tout le moins, même plus qu'une base, une maîtrise du français. Mais Jacques Couture, une des choses qu'il va faire comme ministre de l'Immigration, c'est de mettre davantage d'argent pour la francisation des immigrants. Donc ça, c'est une entente qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Là, oui, il y en a eu une autre, je crois, permet, au début des années 90, oui. Qui est un peu, qui a approfondi, mais au fond, le fameux accord du lac Meech, hein, qui demandait 5 pouvoirs, mais il y avait une forme de... on voulait constitutionnaliser ces ententes qui avaient été négociées, qui restent des ententes administratives, qui sont toujours là, mais que le Québec voudrait voir reconnues dans la Constitution canadienne. Mais ça montre à quel point il a été... un précurseur important. Absolument. Il a aussi joué un rôle fondamental. Et c'est qu'au Québec, on dit toujours, les réfugiés, c'est les conventions internationales, et ça, c'est le Canada qui les signe. Donc, c'est le Canada qui est responsable d'administrer, de gérer ces grandes conventions avec des tribunaux administratifs qui reconnaissent, oui ou non, êtes-vous un réfugié. Et au Québec, on a parfois le sentiment que ça nous regarde plus ou moins, que ce n'est pas vraiment notre juridiction, même si on voudrait y voir, sûrement. Mais Jacques Couture, là aussi, va beaucoup innover dans un contexte très particulier qui est celui des réfugiés vietnamiens. Racontez-nous un peu cet épisode et le rôle qu'il va jouer. Alors, il va jouer un rôle déterminant parce que, lui-même va se rendre sur place dans des camps de réfugiés, va voir la situation, va la constater et va travailler très fort à la réconciliation familiale, donc la réunification des familles de réfugiés. Va également mettre en place un programme de parrainage privé, donc qui permet à des citoyens, à des citoyennes québécoises, de parrainer des réfugiés durant une année, donc durant leur première année de vie ici au Québec, ils doivent être en mesure de montrer que tous leurs besoins, on va répondre à tous leurs besoins. Donc, ils prennent vraiment en charge les gens pendant une année. Et donc, là, il y a toutes sortes de groupes qui vont s'organiser, qui vont se structurer, qui vont se mettre en place pour accueillir ces réfugiés-là. Et ça va permettre non seulement à ceux que l'histoire connaît l'expression de boat people, de venir au Québec, mais aussi à des gens d'Amérique centrale, entre autres, qui étaient confrontés aux juntes militaires, puis d'Amérique du Sud, de se rendre au Québec comme réfugiés. Bon, il y avait quand même eu un afflux important en 73 au moment du coup au Chili. Il y a beaucoup de Chiliens qui sont venus, mais la filière latino-américaine s'est poursuivie durant les années 70, puis durant une grande partie des années 80. Et donc, Jacques Couture va jouer un rôle déterminant. Il va aussi régulariser 5 000 demandeurs d'asile haïtiens durant là, son mandat. Ça, c'est majeur, c'est très important. Et là, on voit vraiment un homme qui est préoccupé de l'accueil, de la rencontre aussi interculturelle, parce qu'il veut que ce soit l'État, que l'État ait des outils pour procéder à ce travail-là, mais il veut aussi que ça passe, que ça soit pris en charge de manière communautaire. Donc, d'où les parrainages, le programme de parrainage privé qui existe jusqu'à aujourd'hui. Il y a plein de groupes partout dans la province qui ont accueilli des Syriens, des Ouïghours, des gens donc, qui sont venus de partout, partout dans le monde, en Afrique. Donc, depuis presque les 50 dernières années. Donc, c'est majeur. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il aurait pu retourner. Il n'en était jamais vraiment parti, même s'il était député. Il faisait sûrement du bureau de comté, il recevait des concitoyens, il connaissait toute la vie associative par cœur de ce coin de pays. Pour l'avoir peut-être lui-même animé. Mais au lieu de revenir dans Saint-Henri comme avant 76, il quitte pour Madagascar. Comment expliquer cette décision? Est-ce que, de l'extérieur, là, on a quasiment l'impression que ça pouvait faire l'affaire de la hiérarchie de dire, bon, là, mon Jacques, là, tu vas quitter, tu vas aller voir ailleurs,
on va avoir un peu la paix pendant une couple d'années. Hein, Jacques Couture qui nous fait la vie dure, qui nous critique publiquement. On sait que c'est déjà arrivé. Hein? On a déjà vu ça dans l'Église. Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a autre chose? Alors, ils ont besoin, en fait, ça se passe, disons, dans une sorte de triangle. Oui. Et là, ça se passe entre Jacques Couture, le supérieur provincial, et le supérieur général, Pedro Arrupé. Et là, il y a des besoins spécifiques à Madagascar, et on a besoin d'un profil du type de Jacques Couture. Et une des raisons également, c'est évidemment on espère que Jacques Couture ne sera pas tenté par la politique malgache. On le souhaite. Il aurait pu revenir président de la République, oui. Alors, on l'espère. Et finalement, effectivement, il va s'intéresser, mais il va se tenir loin de ces questions-là. Et donc, il part pour Madagascar. Il va d'abord en éclaireur. Il est encore député, il me semble, à ce moment-là. Oui. Mais, quelques mois plus tard, il fait vraiment le saut là, dans la vie missionnaire ad extra, donc à l'étranger, à l'extérieur du pays, à Madagascar, qui est une île, finalement, où il y a un peu une rencontre, une forme d'hybridation entre le monde oriental et le monde africain. Et là, ces deux mondes-là l'intéressent beaucoup. Et donc, pour lui, Madagascar, c'est parfait. Un bidonville de Tananarive, Ando Tapeaneka, c'est quand même dans ses cordes. Et ça fait longtemps qu'il ne s'est pas senti aussi bien parce qu'il se sent comme à Saint-Henri, comme à Saint-Roch. Bon. Mm-hmm. Mais là, il est confronté à des conditions de vie qui n'ont rien à voir avec Saint-Roch et qui n'ont rien à voir avec Saint-Henri. Non, mais justement, qu'est-ce qu'il va faire concrètement là-bas? Alors, concrètement, il va s'installer dans une petite case qui est très humide, qui vit sur la terre battue, donc comme les gens. Donc, on passe de ministre avec un chauffeur. Oui, voilà. Non, mais c'est quand même incroyable quand on y pense. Ben, en fait, moi, je vous le dis, là, tout ce qui explique ça, moi, je pense que c'est l'engagement à la suite des évangiles, à la suite du Christ. Il n'y a rien d'autre qui peut expliquer quelque chose comme ça. Ouais. Parce que humainement, il y a quelque chose là, qui est complètement étrange, oui. Voire fou. Là. Ouais. Donc, c'est quand même cela. Et donc, il va vivre dans ces conditions-là. Et les gens vivent dans les mêmes conditions. Les gens vivent d'expédients. Là. Ils vivent carrément à côté d'une décharge. Et donc, vendent ce qu'ils peuvent trouver, récupèrent pour manger, des enfants qui n'ont pratiquement pas de vêtements, qui sont nus. Et ça, c'est le lot de la vie dans ce qui était appelé le tiers-monde, mais qui est aujourd'hui les deux tiers-mondes et peut-être même plus. C'est quand même... Là, c'est un choc immense. Et il va le dire plus tard, ça a été l'expérience la plus dure de sa vie. Il avait envie au départ de revenir. Ah, carrément. Oui. Donc, il ne voulait pas rester là. Et il se disait, voyons, ces gens-là, même, ils n'arriveront pas. J'arriverai pas à trouver des leaders, à faire quelque chose ici. C'est impossible. Alors, au bout d'environ 18 mois à 2 ans, il commence vraiment à connaître les gens. Les gens le reconnaissent. C'est un prêtre quand même. Mais il est engagé avec les gens. Il y a des crues immenses, des inondations. Et là, il se relève les manches, les gens aussi. Et là, tranquillement, il voit émerger des figures, il voit émerger des leaders et il crée avec d'autres, il cofonde un centre de développement donc de ce bidonville de Tananarive, Ando Tapeaneka. Et donc, ils vont mettre en place toutes sortes de projets, des coopératives, donc des outils qui permettent, dans le jargon, la promotion humaine, qui permettent, lui, il va parler de réhabilitation de ces personnes-là par elles-mêmes. Bon. Donc, ce n'est pas de l'argent là, qui est injecté de l'ACDI ou qui est injecté d'Oxfam ou du ceci ou de je ne sais quel autre. Ça revient comme avant. Non, c'est ça. Il voulait que ce soit endogène, un développement endogène. Et ça me permet de dire aussi qu'il y a cette vision-là de la mission qui se transforme à travers le temps. Et donc, il est fidèle à ce qui va être avalisé avec le Concile de Vatican II et dont il parle déjà à son supérieur quand il demande d'aller à Saint-Henri en 64, être une présence au milieu des gens.
Il n'est pas là pour être prêchi-prêcha, là, pour leur dire, ben là, tu vis, tu n'es pas marié, tu as des enfants, tu vis en concubinage. Il ne fait pas d'affaires de même, là. Il n'est pas là, là, lui. Donc, il est vraiment dans comment est-ce qu'on peut travailler ensemble puis vous soutenir pour améliorer vos conditions de vie. Donc, c'est réellement ça. Et cette organisation-là existe jusqu'à aujourd'hui et a une mémoire de Jacques Couture qui est beaucoup plus actualisée qu'elle ne peut l'être ici au Québec. Il parlait de Jacques Couture, il l'avait surnommé leur Rakutu Malala. Et donc, Rakutu Malala, ça veut dire en malgache Jacques le bien-aimé. Donc, il s'était réellement incorporé, si vous voulez, à ce monde-là. Il est resté combien d'années? Il est resté pratiquement 14 ans, 13 ans et demi, là, presque 14 ans. Oui, pratiquement, parce qu'il va revenir au Québec, je pense c'était en avril, parce que là, on voyait bien qu'il n'y avait pas d'issue possible. Alors, il va d'ailleurs contracter une maladie? Oui, une maladie pulmonaire, une sorte de fibrose kystique là, interstitielle, enfin. Et donc, il va avoir beaucoup de difficultés à respirer. Il devait revenir au Québec à intervalles plutôt réguliers dans les dernières années. Et il va dire que, ça c'est très intéressant, il va dire à Diane Dessureau dans un très long entretien qui va paraître dans la presse en 1993, que sa vulnérabilité physique, sa maladie, lui donne la possibilité d'entrer d'être avec les Malgaches, pas comme un Malgache, mais vraiment là, dans un rapport de solidarité très, très fort, de complicité. Ça fait en sorte qu'il est réellement, il devient un des leurs, sans jamais arrêter d'écouter du Bach, du Mozart, avoir ses propres références, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que finalement, il va donner sa vie aux autres, mais il demeure toujours lui-même avec des origines bourgeoises, avec une culture, avec une connaissance. Une question qui m'habite à chaque fois que je pense au destin d'un Jacques Couture, un homme donc qui a été vraiment engagé socialement. Il y a beaucoup d'hommes de sa génération qui ont été comme lui, très engagés socialement, qui ont commencé dans une congrégation, qui ont commencé dans les ordres, qui se sont devenus des clercs, mais qui ont défroqué dans les années 60, 70. C'était énorme, hein, les quantités de gens qui défroquaient parce qu'ils se disaient, ben, l'action sociale qui m'est chère, je peux la réaliser dans les nouvelles institutions de la Révolution tranquille. Je n'ai plus besoin de passer par l'Église, peut-être, pour faire ce type d'apostolat. Mm-hmm. Pourquoi ce n'est pas le cas, selon vous, votre hypothèse? On n'est pas dans l'intériorité de Jacques Couture, mais d'après vous, pourquoi il n'a pas suivi ce chemin-là, qu'il est resté fidèle à son Église et à sa congrégation? Bien, en fait, j'aimerais le citer. Allez-y. Je ne m'en serais pas souvenue de... il écrit, en fait, dans le... Il dit ça, sa plus grande joie et satisfaction dans toute sa vie, c'est d'avoir rencontré un jour le seul libérateur que je connaisse qui tient ses promesses, un certain Jésus de Nazareth. Le suivre tant bien que mal et plutôt mal, mais sentir sur soi ce regard mystérieux, doux, pénétrant, qui appelle, qui exige, qui nous envoie au bout du monde, nous fait vivre mille folies et avec ce sentiment de vivre intensément et dans la vérité. En fait, je pense que c'est sa drogue. Ah bon? C'est dopé à Jésus-Christ. Dopé à Jésus-Christ. Non, mais je veux dire, dans le sens où c'était pas quelque chose d'extérieur à lui, mm-hmm. c'était réellement de l'ordre d'une rencontre. Ceci étant dit, je ne suis pas en train de dire que les hommes dont vous parlez, ouais, qui ont défroqué non. N'étaient pas nécessairement habités. Non, je comprends. Mais il y a quelque chose chez lui de mystique. J'ai ramené des archives une prière
qu'il a faite, qui est une prière du temps pascal. Mais c'est une prière, c'est un Dieu qui à la fois est présent, mais qui fuit, qu'on cherche. Mais c'est le Dieu de la résurrection. C'est le Dieu qui nous rappelle que finalement, toutes nos petites morts, elles ne sont que passagères. Catherine Foisy, en conclusion, il nous reste quelques minutes seulement, mais pourquoi, selon vous, Jacques Couture peut-il faire partie de ce panthéon des figures marquantes de notre histoire? Je dirais pour plusieurs raisons. La première, c'est quand même le fait qu'il ait marqué de manière aussi forte à la fois l'action sociale au Québec, donc vraiment avoir donné à une région particulière de Montréal, le Sud-Ouest, ses fondements d'action sociale, d'action communautaire. Il a laissé une marque très importante au niveau de la politique urbaine, de la politique municipale, non seulement parce qu'il s'est présenté devant Jean Drapeau, mais surtout parce qu'il a apporté des idées nouvelles. Et donc, cette capacité pour... cette idée que des citoyens pouvaient se rassembler dans un mouvement politique et s'organiser et réclamer des choses et éventuellement même prendre le pouvoir. Donc, ça, c'est important. Évidemment, toute son ouverture à l'autre, à travers son rôle comme ministre de l'immigration, des communautés culturelles, la fidélité à son engagement par rapport au monde ouvrier, aussi comme ministre du Travail. Première loi anti-briseur de grève au Canada, c'est quand même majeur pour le droit du travail, pour les droits des travailleurs. Et je dirais qu'il y a également, on en a déjà parlé, mais toute la fidélité à son engagement religieux, à l'engagement qu'il a pris à la suite du Christ. Donc, d'être réellement un témoin, mais valable, probant, qui n'a pas la langue de bois. Donc, réellement, une personne qui voulait faire avancer sa collectivité et qui a été un digne représentant du Québec à l'étranger également. Donc, c'est une figure qui, d'après moi, n'a pas été suffisamment étudiée, mais également une figure qui n'a pas été suffisamment reconnue. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul toponyme, j'ai vérifié, qui honore la mémoire de Jacques Couture. C'était un parc dans Saint-Henri. Quelle surprise! Mais je pense qu'il en faudrait d'autres toponymes qui honorent la mémoire. Et en 30 secondes, comment vous expliquez que ce personnage-là ne soit pas plus reconnu? Mais je pense qu'il y a deux choses. Il y a un élément qui est vraiment conjoncturel. Les 13-14 dernières années de sa vie, il les passe à Madagascar, d'une part. Et d'autre part, c'est, je pense, le fait que c'était toute sa vie un prêtre, un jésuite. Et donc ça, c'est, je pense, le rapport difficultueux que la collectivité québécoise entretient encore avec son passé catholique. Merci beaucoup, Catherine Foisy, pour cet entretien. Grand plaisir. Merci beaucoup.